Wesh l'équipe, nouveau vlog. Aujourd'hui, on va aller à Tipaza à Alger. On va aller voir le tombeau de la reine chrétienne. Et, on va aller voir les ruines romaines à Tipaza. Donc, c'est parti, on part en voiture. Et à tout à l'heure. Donc, les gars, bien arrivé à destination du tombeau de la reine chrétienne. Donc, là, je suis arrivé. Je suis juste devant. Je vais vous filmer ça. Moi, je crois que c'était plus petit. Personnellement, je crois que c'était plus petit. Bon, c'est beau. Hein. C'est un truc à l'ancienne, un peu à l'ancienne. Moi je croyais que c'était un peu plus petit, mais en fait c'est vraiment grand. Et l'entrée, je crois, elle est fermée, on peut pas rentrer dedans. C'est dommage. Et franchement, c'est vraiment vraiment quand même. Pour un truc à l'ancienne, c'est vraiment fait un vrai truc, c'est une tombe. Donc c'est énorme pour une tombe. Quand tu enterres quelqu'un, c'est pas, tu vas pas faire une tombe comme ça pour une personne. C'est vraiment incroyable, donc je trouve très simple. Donc voilà, elle est comment? Bah, de devant, en fait, à l'entrée, c'est comme ça. Franchement, c'est magnifique, je trouve. Bon, pour une tombe, franchement c'est énorme, mais franchement j'aime bien, bon, je trouve que ça fait du stylé, autre qu'à l'ancienne, enfin à l'ancienne, à l'époque, donc là les gars je suis à l'entrée, donc elle est juste ici, en fait il y a un truc avec l'entrée les gars, c'est que c'est une clim, vraiment, il fait froid de ouf, la glace, il fait froid, froid de ouf à l'entrée, et du coup bah, on peut pas rentrer, c'est fermé, parce que je crois qu'il y a un truc qui s'est effondré dedans, on n'a pas le droit d'entrer, donc voilà l'entrée, de plus loin. Voilà, en tout cas, à l'entrée, les gars, c'était incroyable. Genre, il faisait ultra frais, mais on pouvait pas rentrer, du coup, c'était fermé. Et voilà. Du coup, les gars, je me suis dit un truc aussi, en regardant du coup, cette tombe. Je me dis, les gars, du tout, avant, ils faisaient ça à la main. Il n'y avait pas de machine, à la limite, des trucs à la corde, tu penses, pour aider à se lever. Mais du coup, ils faisaient ça à la main. Je sais pas comment c'est possible. Franchement, moi, la théorie de les gens étaient plus grands avant, genre, ils étaient vraiment géants. Moi, j'y crois personnellement. Vraiment, dites-vous comment c'est possible de faire ça à la main, de commencer à porter des rochers comme ça à la main, c'est une dinguerie. Peut-être avec, ouais, peut-être avec des cordes et tout, mais même comme ça, c'est une dinguerie. Et faire une tombe aussi géante, c'est incroyable. Aussi d'ailleurs, je vous montrais un peu les vues qu'il y a de l'autre côté. Du coup, on voit vue sur la mer, incroyable. Et ici, on voit vue sur tout le paysage, donc, je vous montre, enfin, sur toute la ville et tout, c'est incroyable. Un peu tout ça et vous allez kiffer je pense. Et les ruines romaines je sais pas où c'est, donc je sais peut-être pas je sais pas si on va vraiment y aller, mais bon, voilà. Donc là voilà la vue de l'autre côté sur les champs, franchement elle est vraiment vraiment belle. Genre là on voit tous les champs, bon avec la caméra je sais pas si on voit bien, mais en tout cas moi sur tous les champs c'est incroyable. Il y a beaucoup de ça en Algérie, il y a beaucoup de champs, c'est magnifique. C'est parti, je vous emmène avec moi. Allez, regardez la plage, comment c'est incroyable, les gars. Même l'eau, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Les gars, je retiens un truc, la mer elle est énervée de ouf. Voilà, voici mon bulletin, quoi, la mer. Donc là les gars, on est arrivé au site romain du coup. Moi je connais pas vu que c'était un peu plus loin. Moi je crois que c'était vraiment juste à côté de la tombe de la reine là. Mais en fait non, c'est juste à côté, donc là il y a le plan. C'est énorme les gars, c'est gigantesque, il y a plein de trucs à regarder. Et voilà, on va regarder ça en bien. Allez, c'est parti. Donc là on peut voir un petit début. Donc le début des ruines. Donc ici il devait avoir une grosse arène je pense, hein, parce que regardez comment c'est grand, c'est plein de ouf. Ah quoique il y a ce petit truc là-bas, donc je sais pas. Donc là on peut voir par derrière. Donc là on peut voir des, je pense, des débuts de maison. Ce que je vois. Début de maison. Vers là. C'est voilà. Donc là ici les gars, comme on peut voir, il y a un temple. Donc voilà, c'est écrit ici là, j'ai lu pour garder les informations. Donc là on peut voir le nouveau temple, donc c'est The New Temple. Et du coup c'était créé au début du 2e ou 3e siècle, c'était créé. Donc à la base les gars, c'était un gros temple, c'était un vrai truc. Bon là il reste que des ruines hein, du coup. Là-bas regardez, enfin, incroyable escalier, énorme temple. Et voilà. Et vers là-bas du coup il y a un théâtre et une nymphée, je sais pas ce que c'est une nymphée, on va voir. Ou un nymphée, je sais pas.
Et du coup, il y a un théâtre là-bas, on va aller peut-être voir, ou sinon je vais faire une visite avec le bateau. Donc voilà. Donc là, on a une maison des fresques. C'est bon, une ancienne maison des fresques, du coup. Regardez comment c'est. Ouais, c'était vraiment grand. Il y avait des plantations, c'était vraiment, vraiment grand. Donc les gars, voici une nymphe, du coup, la maison de la nymphe Lotus. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Donc les gars, voici le théâtre, du coup, qui nous était indiqué sur la pancarte. Donc comme on peut voir, ouais, ça genre ici, il devait avoir les chaises ici. Et là, il devait avoir les gens qui tournaient là. Et ben, voilà, je pense que c'est pas mal. On trouve ça... Là, comme on peut le voir, il y a une... genre des ruines d'anciennes maisons, je pense. Voilà. Et là, il y a juste le théâtre à côté. Et voilà, là-bas aussi, il y a des petites ruines de maisons qui sont un peu cassées. Et ouais. Les gars, regardez-moi, Chipaza, comment c'est une merveille de ce monde. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Incroyable. Je kiffe. Incroyable. Les gars, merci d'avoir suivi cet épisode du vlog. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao.